Les relations diplomatiques entre la France et le Népal datent de 1949. L'ambassade de France, située en plein cœur de Katmandou, est aujourd'hui réduite au service minimum. Explication de l'ambassadrice de France, Madame Martine Bassereau. Alors, un poste de présence diplomatique, c'est une ambassade dont on réduit aussi bien les effectifs que les missions. Parce que le gouvernement français a voulu garder l'universalité du réseau. En même temps, le ministère des Affaires étrangères doit participer à la réduction des dépenses publiques. Donc, 13 pays ont fait partie d'une première vague de transformation en PPD, poste de présence diplomatique, dont le Népal. Alors ça veut dire réduction des effectifs et nous nous retrouvons en effectif plein maintenant entre 3 expatriés et 3 agents locaux pour les affaires de presse et les affaires politiques, la comptabilité et un chauffeur. En même temps que se faisait cette transformation, nous avons eu le tremblement de terre et c'est là que nous avons vu les limites du format PPD au Népal. Le passage en PPD pour les Français résidant à Katmandou, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus se marier, ils ne peuvent plus se paxer, ils ne peuvent plus se faire faire des passeports, des cartes d'identité. Tous les actes d'état civil ont disparu de nos attributions et maintenant se font à New Delhi. Donc c'est une grosse part de travail qui nous a été retirée, mais ça ne règle rien parce que c'est nous qui étions ici à Katmandou dans un PPD en première ligne pour faire face aux récriminations des Français résidents. Ils se sont vraiment sentis délaissés et je les comprends quelque part parce que ça fait 66 ans que la France est présente au Népal pour les Français qui sont installés ici. Ils ont eu un sentiment d'abandon.